Bonjour et bienvenue chers amis pour le très court message du tarot. Vous avez les amoureux qui nous parlent d'une hésitation. Alors là, il y a quelqu'un qui vous tourne autour, ou vous tournez autour de quelqu'un, on peut dire ça comme ça, parce que vous pouvez inverser bien évidemment. Mais en tout cas, là, on se cherche, on essaye de s'accorder. Et on a du mal à s'accorder dans une situation, donc il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, beaucoup d'imprévus, je ne sais pas. C'est pas très stable, cette affaire, 5 d'épée. Et je crois que là, ça va commencer un petit peu à vous agacer, voire à vous mettre en colère. Parce que là, c'est vous. Hein. Là, on ne sait pas qui tourne autour de qui, mais il y a beaucoup d'agacement dans ce 5 d'épée. Il y a beaucoup, beaucoup de colère, l'empereur. Oui, on sent que ça va provoquer chez vous quand même un moment un peu difficile à gérer. Oui, difficile à gérer. Parce que cette instabilité, on se cherche, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui fait que vous êtes en colère. Et vous voulez reprendre votre puissance, votre force. Il y a cette idée que quelqu'un ici ne joue pas complètement le jeu. On se cherche, mais on fait tout pour ne pas se trouver, si je peux dire ainsi les choses. 8 de denier. Donc, il faut travailler là-dessus. Il y a un travail à mener, notamment sur votre émotion ici de colère, d'agacement. Pourquoi ça vous agace? Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans cette situation-là? Et je crois que c'est comme ça que vous allez pouvoir initier un nouveau départ. Vous allez pouvoir initier un nouveau cycle. Vous avez le fou qui nous parle de un nouveau cycle, mais il faut quand même regarder les choses en face. Parce que là, on se tourne autour, mais sans jamais passer à l'action. Voilà. Tout reste dans l'expectative, dans le possible, dans l'opportunité, mais on n'est pas en train de la transformer. On ne transforme pas l'essai. 10 de coupe. C'est ce travail-là, vraiment, et ce nouveau cycle qui vous donnera, en fait, un moment de plaisir et de bonheur. Je crois qu'on pouvait arriver à dépasser ce côté un peu instable et surtout cette expectative, mais à condition de mener un travail sur cette relation. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est vraiment mettre en lumière et en avant la satisfaction. Il y a quelque chose qui ne va pas là et ça va vous mettre en colère. Ça va vous mettre en colère. Alors, ce n'est pas vraiment de la colère à proprement parler, c'est plutôt de l'agacement qu'on sent ici. Agacé, voilà ce que vous allez avoir comme émotion, mais qui va être dépassé en fait par un travail sur soi et sur la relation qui va vous permettre en fait de sortir d'une situation peut-être pas tout à fait désirable dans ce cas-là, et ça va vous permettre d'impulser une nouvelle page dans cette relation. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.